Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur European Universalis 4 avec Brandebourg, la route de l'Union. Dans cet épisode, nous allons essayer d'étendre, de s'étendre en Prusse. Pour cela, nous allons faire appel à ces trois alliés. Lui ne viendra pas parce qu'il a trop de dettes. Faire confirmer. Et pour compenser notre perte, on va lever les impôts de guerre. Alors, contre qui es-tu en guerre? Contre pas mal de monde. Bah oui. Oula, lui il va prendre cher. Il va jamais pouvoir rentrer. On va se mettre ici. Le problème, c'est eux, franchement, c'est ceux qui vont me poser le plus de problèmes. On va essayer de le sortir très vite. On est en train de battre les teutons. On va essayer de leur enlever l'accès. Non, je verrai ce que je fais comme paix, de toute façon. Le véritable problème que l'on va avoir, c'est le Danemark. Bah oui. Tu m'étonnes, les bateaux défoncés. Je suis même pas surpris, en fait. C'est bien. La Pologne, occupe-toi d'écraser... Oula, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Mon doigt est rippé sur trois touches en même temps. L'objectif, c'est de faire tomber la Lituanie, pour commencer. Ensuite, on s'attaquera au Danemark et à la Suède et tout ça, mais... j'ai pas l'argent, je vais perdre un ostab. Chier. T'as intérêt à me donner la province. C'est pas comme si tu la revendiquais. Si tu la revendiquais et que tu la gardes, je m'en fous. Je fais le tour. Là, tu la revendiques même pas. T'as intérêt à me la donner. Oh, mais les... Super. Les rebelles vont se faire écraser par mes ennemis. Quoi de mieux? Ouais, allez peut-être dans ce coin-ci, les Autrichiens. Et je vais ici. Ben voilà, on n'a plus de rebelles. Merci mes ennemis. Mes ennemis adorés. Où sont-ils? Ils sont toujours... C'est quoi 100% de blocus? Ok. Pourtant ils ont une province, donc s'ils ont un blocus, je sais pas, oui, non, ils ont même pas de province avec un accès à la mer. Ce qui explique le 100% de blocus. Allez. Alors, comment ça se passe? Oui, là, la Pologne veut énormément. Lituanie, je t'offre la paix. Tu me demandes quoi? Pour le moment, non, parce que tu as une durée de guerre. Bah, une fois que t'auras perdu 2-3 forts, ça ira, je pense. Hambourg, je te laisse passer. Ulm, je te laisse passer. Parfait, il m'offre mes mails. J'ai Marienbourg. Non, je vais foncer sur la province à côté. Et ensuite, j'irai les assister. Non! Il y a 19 000... crottes. Ils sont en train de prendre ma capitale. Ça va pas le faire, ça. Lituanie, je t'offre la paix, hein, je te demande rien. Moins 69, durée de la guerre, objectif lié au siège. Non, non, objectif lié au siège, je vais l'avoir. J'ai demandé pourquoi, pour la prise de Ermland. Bah, ça va aller très vite, je vais l'avoir, Ermland. Et ensuite, je demanderai de l'aide pour venir m'attaquer à... ici. Genre, s'il y a des... comment dire... Voilà, objectif lié au siège. T'accepterais pas la guerre, la paix? Moins 48 pour durée de la guerre, surtout, et tu contrôles ta capitale. Juste militaire, tu es... ouais, même niveau. Fermez les yeux. Ah,
Ah, super, on a... Oula, c'est rien. C'est le truc qui attache mon micro. On va essayer d'avoir des gens qui nous rejoignent. Ah, super. On va défoncer cette armée, et puis on ira défoncer les quelques Danois qui passent. Ah, merde, il y a les Suédois qui vont les rejoindre. Ça va être beaucoup. Ah oui, s'ils viennent tous sur mon pays, ça va être beaucoup. Après, s'il y en a qui vont ailleurs... Lituanie, tu es pas en faible? Je n'accepterai pas la guerre. La paix. Bon, on va essayer d'aller s'attaquer là-bas. Non, on ne fonce... On va libérer 10 mars alors. Normalement, c'est eux qui ont un malus. Même s'ils sont un peu plus. Ouais, ça va être un souci. Ils vont sur Potsdam, ils vont probablement rejoindre la bataille. Donc, ah, super. Allez, c'est nous qui avons le malus aussi. Hein. Nous avons un malus de je sais pas quoi, mais nous avons un malus. Voilà, on a repoussé 16 armées. Alors, Lituanie, t'en penses quoi? Demander la paix. Moins 34. Allez, ça progresse. On va s'occuper là-bas. Très bien. Ah, je le savais, ils vont garder la province. Quelle belle bande de bâtards. Ah, venez, venez-moi en aide. Terrain plus 1, terrain moins 1. Pourquoi ils me mettent un malus alors si j'ai un terrain plus 1? Et hop, on va prendre ceci. Ah, même avec les... Maintenant, enfin, avec les répas de guerre, je suis un peu dans la dèche. C'est celle-ci, Vilnius? Non. C'est ici, Vilnius. Non, ça c'est connasse, Vilnius c'est ici. Alors, toi tu es faible, je m'en fous, moi je vais sortir la Lituanie. Ah oui, la Lituanie, elle est ici, le siège de... D'accord. Non, la Pologne, c'est moi qui vais faire ce siège. Sinon, tu vas m'empêcher de l'avoir. Et vu que tu dois me donner celle-ci, qui ne fait pas partie de tes revendications, mais des miennes... Ah si, t'as une revendication dessus, mais bien évidemment. Mais tant pis, on va te laisser prendre, mais on va prendre l'autre. Et ensuite, on ira re-attaquer les armées là-bas. Bien sûr, ils peuvent prendre nos provinces. On va à Brandebourg, probablement là qu'ils vont, en tout cas pour les Norvégiens. C'est qui, c'est Riga? Oui, mais on a toutes leurs armées qui sont là. Toi, tu n'es... Qui est contre nous, en fait? Riga. Riga, tu... C'est... Non, 10 mars. 10 mars, tu avais une bonne idée. Mets-toi là. Objectif de faire tomber Riga. La Lituanie, toujours pas? Toujours pas. On va libérer nos provinces alors. On perd beaucoup, hein. Moins 1,18. Ça me paraît énorme comme perte. Allez, fais tomber ce siège et je lâche la... leur plaisir. Je lâche la Lituanie. Sans rien demander, c'est pas comme si j'allais faire oui, tu me donnes ça, ça, ça. Non, non, je lui dis, tu te rends. Tu te rends et tu te mets à genoux devant ton maître. Lituanie, combien? Ah, ça se rapproche avec la province qui tombe.
Ah ben voilà. Lituanie. Presque, hein. C'est bien. L'Autriche qui va intervenir là-bas, probablement. Et nous, on va aller chercher ça. Lituanie, allez! Demandez la paix. Moins 16. Et donc moi ce que je voulais également c'était ceci, mais et on n'est pas loin du désir de réforme. Bon, de toute façon il faut attendre les techs, deux techs encore, donc on a le temps avant de passer la réforme. Ça c'est les armées lituaniennes. Très fortes les armées lituaniennes. Hein. Ils font genre je suis là, et elles interviennent. Smolensk. Quand ils ont fait tomber Smolensk, donc le fort qui était tombé chez eux, en 3 minutes. Genre pouf, fort tombé. Sortez-moi ce pays. Malheureux. D'accord. Ah, réforme protestante. C'est moi, j'ai lu réforme protestante. Ça va pas tarder à lever quelque part. Elle va pas tarder à arriver, la réforme. Je l'ai lu quelque part, je sais pas où, mais enfin, j'ai eu l'event apparition de la réforme. C'est probablement l'event historique plutôt qu'autre chose, mais ici, ouais, on s'en fout. Allez. On va demander à l'Autriche de s'attaquer à Riga. Vas-y Autriche, vu que t'as l'air d'aller vers l'ouest. Vers l'est, pardon. Je ne peux pas. Lituanie, où en es-tu? Parce que oui, ça augmente hein, leur envie. Enfin, elle diminue leur envie de paix. J'ai envoyé une offre de paix débile, genre ça. Envoyé. Juste pour les faire chier. Et on va les spammer de demandes. Je sais pas si ça fonctionne, hein, mais... À un moment, ils vont bien en avoir marre. Réputation diplomatique plus 2, je prends. Ça va aider. De toute façon, niveau tech, on a un peu un moment avant de les avoir. Donc, moins 29. Allez, on renvoie une demande. J'aimerais au moins, quitte à ne pas finir la guerre, au moins sortir la Lituanie. Parce que l'épisode risque d'être long. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire pour éviter tout souci? Je vais couper l'épisode maintenant et je vais reprendre juste après. Ça évitera un crash. Et voilà, on reprend, ça n'a pas bougé. Et au moins, j'ai l'épisode en deux parties. Très bien, c'est qui? C'est pour 10 mars. Très bien.
Où en es-tu? En 18. Je te demande 28 pièces d'or. Lol, au revoir. C'est pas pour rien que je demande qu'on aille écraser le Riga. Hein. Annulé, non, on va essayer de prendre par là. Demander la paix. Moins 10, hein, je pense qu'avec un fort qui tombe, quel qu'il soit, ils sont prêts à accepter la paix. Ici, on va s'amuser à faire prendre ce qu'on peut, petit à petit. Ils arrivent. Mais ouais, là, cette armée est morte. Ok. Beau jeu, Lituanie, beau jeu. Ah, ça augmente. Non, non, faites-moi tomber un de leurs forts et ça ira très bien. Celui-là, il est presque tombé. Ça, on va donner à 10 mars. Ça, on va donner à 10 mars. Et ici, pour les votes, ça se passe que... Ah, la Saxe vote pour nous. Verdun pourrait éventuellement voter s'ils étaient contents. Ouah, la Saxe, elle est dans le caca aussi. Mais... Ah, elle s'est fait attaquer par la S. Enfin, je me fais attaquer, mais je pense pas que c'est directement la S a déclaré la guerre à quelqu'un d'autre. À Cologne, voilà, et Saxe est venu protéger. Logique. Là, il y en a deux qui peuvent tomber. Donc, si les deux tombent, je pense qu'en plus de la paix, on peut demander autre chose. Genre, un peu de thunes. Ça peut nous être utile. Je m'en fous, Anelt qui nous insulte, très bien, insulte-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne pourrais pas te déclarer la guerre rapidement, donc. Annulé. Je peux faire, c'est descendre ici, attaquer les Suédois qui arrivent. Ah, et Dismar est en train de produire quelques bateaux. Non, très bien, on va s'attaquer ici. Normalement vous voyez pas. J'ai reçu un mail et bien sûr les mails qui s'affichent en plein milieu de mon jeu c'est pas top. Hop, on a repoussé. Là j'ai peur parce que c'est leur province. J'aimerais bien avoir quelques alliés qui me viennent me soutenir. Ah, on a fait tomber Kaunas. On a fait tomber Kaunas. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une paix maintenant, une paix blanche? T'accepterais, est-ce que tu me donnerais un peu de thunes? Toute ta thune, non, mais un peu de thune. ~66 pièces, allez, juste pour le geste. Vous êtes bien là? On tente? On va tenter. Au pire, on va se faire repousser. Et ils iront récupérer les provinces autour. Ah, ils ont pas le malus. Pas le malus, mais ils sont pas super bons. Annulé. Alors, Danemark, comment ça se passe? Tu n'accepterais même pas une paix blanche, alors essayer de te faire blober un territoire. C'est pas la peine. Que font-ils? Ah, ils vont essayer d'assiéger par l'autre côté. Nous, on va rester ici. Quand on va protéger ce coin-ci, et si les bateaux se mettent à bouger un jour. Lituanie se prépare à attaquer Horde de Livonie. On s'en moque. Vu qu'on n'a pas encore envie de se déplacer jusqu'à là-bas. On le fera un jour, ce sera un objectif, mais pas maintenant.
C'est quoi Pologne? Non, ici, Pologne, je te demandais, vu que t'es juste à côté, d'assiéger cette province. Et j'ai demandé à l'Autriche d'aller assiéger par là. Ah, ils ont pas envie, hein. Moi, j'ai pas envie de bouger de là, parce que sinon, ils vont venir tout libérer. C'est un souci. Et là, je ne peux pas passer à cause d'un bateau. 9, mais... ouais, c'est tous des navires légers, donc je ne pourrais pas passer. Ah, parfait, ils acceptent. Riga est faible. Très avec Bohème, très bien. Riga, on a 0%, on va te sortir. Donc maintenant, tout le monde dans le nord. On a un diplomate qui est mort, il me faisait... Je ne sais pas, mais ici on va avoir réputation diplomatique plus 1, ça va faire du bien. Ouah, la Norvège elle est plus... Oui, on a fait sortir la Norvège. Et toi, tu as une forte inspiration à la liberté, on pourrait réussir à faire sortir la Suède de l'Union de Kalmar. Combien de temps? Plus 25%? Combativité de cavalerie, allez, on prend. 6, mais c'est si léger, hein, j'en ai que 9, je suis pas chaud de sortir mes bateaux. On va pas le prendre, bien évidemment. Ne soyons pas stupides. Oh, c'est vrai qu'il y a ici aussi. Moi, tout ce que je voudrais pour le Danemark, c'est que tu me donnes une province. Je te demande ça. On en est loin parce qu'il faut les 10% de score, mais je veux ceci. C'est pas beaucoup demandé ici. Ici, j'ai demandé peut-être à 10 mars. Et là, à Saxe, d'aller prendre des petites provinces à gauche, à droite. J'ai envie de tester de sortir. J'ai un amiral, ils ont pas d'amiraux. On sort, on passe et ainsi on va essayer d'avancer sur leur capitale. S'il y a les Suédois qui arrivent, on est dans le caca. Mais s'ils n'arrivent pas, ils arrivent vers chez nous. C'est rien. On a perdu un nouveau bateau, mais c'est rien. Les institutions, non, c'est toujours tout le monde à la même chose. Très bien. Ah, ils s'en vont tous? Ils s'en vont tous, je passe à la province d'à côté. Les clercs vont perdre 10 en loyauté. Ah, mais ils s'en vont tous dans la province d'à côté. C'est dommage. Et c'est moi, ce sont les troupes danoises qui arrivent ici. Pas arrivé à temps. Je devrais quand même être un peu mieux, non? Je suis pas meilleur qu'eux. On est troupes égales, quoi. Et vu que j'ai un malus, on va se replier. Il va reprendre des provinces et donc je vais devoir faire appel et... Danemark, est-ce que t'accepterais une paix blanche? Alors, effacer l'offre. Paix blanche, tu accepterais. Mais donner une province, tu n'accepterais pas. Si je te demandais ça, on serait loin? Oui. Bah, c'est quoi, on va te sortir comme ça, t'es déjà assez dans le caca. Je déclarerai la guerre une autre fois. Et donc maintenant, il nous reste... Toi. Alors. Ceci. Faut que je regarde l'état ici de Prusse orientale. Je pourrais pas l'avoir, l'état de Danzig, je pourrais. Ceci, toujours rien.
ce Memel. Ainsi, je coupe l'accès à la mer. Vends toute ta thune. Tu abandonnes tes revendications juste sur Neumark. Tu romps tes alliances avec la Lituanie. Et je veux prendre... C'est pas pour moi, celle-ci. Si je te demande pas ta thune, je peux prendre une en plus. Autant prendre celle-ci, ainsi j'aurai une grosse partie de l'état. Et je pourrais prendre Duchel, non, Kulm, je pourrais pas. Donc ces deux-là, hop, ah si je peux prendre Kulm, mais là j'ai une... Oui, je vais prendre ceci. Voilà. Alors, ça va me coûter hyper cher. Pas tant que ça. Donc il me reste une province pour réussir ma mission, pour la prochaine fois. Ici ça va monter, ça les gens sont pas contents, on va essayer de les satisfaire. 12. Tiens, Memel. Et vous, si je vous en donne une, vous passez ici, vous passeriez. Parfait. Là ça passe tout juste. Niveau religion, toujours pas apparu. Ah si, le protestantisme est apparu. Dans quel pays est-il apparu? Vous savez quoi? On va le prendre, on va l'adopter. On n'a pas la diplomatie 10, mais on aura déjà le protestantisme. Se convertir. Et on va convertir le pays. Et donc, la dernière étape qu'il nous faudra pour devenir Prusse, c'est la technologie 10. Hop, on va lever l'embargo, il faut attendre 12 septembre. Hop, ici il nous manque une province. Et devenir Prusse, il nous manque juste la tech, c'est ça? Il manque que la tech. Donc, préparez-vous d'ici les quelques prochains épisodes. À mon avis, ça va prendre un petit moment quand même, mais dans quelques épisodes, on passera Prusse. Moi, ça me satisfait, je suis content. Prochaine guerre, on essaiera de faire une nouvelle guerre contre eux. Maintenant, je sais pas qui on pourra inviter. Vu qu'il est toujours allié à Danemark et Riga. Ah, par contre, Danemark et Norvège. Et après, faudra perdre... Oui, je vais envoyer le dernier de mes diplomates améliorer les relations avec mes alliés. Pourquoi? Parce que mes alliés vont me détester maintenant, vu que je me suis converti. J'ai un centre... Ah, en plus, j'avais un centre de réforme chez moi. Altmark et un centre de réforme. Ça veut dire que petit à petit, il va convertir les provinces à côté. Niveau religion, ouais. Regardez-moi ça. Pas mal de provinces à convertir. Et dès que j'ai 100 points, je pourrais choisir une des doctrines et je prendrai probablement la discipline améliorée ou un truc comme ça. Alors, on perd beaucoup d'argent actuellement. Il faudra aussi déclarer une guerre contre Lübeck. Via qui, je ne sais pas, mais il faudra s'attaquer à Lübeck, parce qu'il est devenu trop gros. Faudra réattaquer le Danemark un jour. Prusse, jusqu'à quand est-on en paix avec la Prusse? Jusqu'en 516. En 516, on prendra les deux dernières provinces. Pourquoi? Parce que ça fera partie de nos régions, je pense. Ça, c'est Prusse occidentale. Ah, ça, c'est partie de la Prusse? Après, il faudra prendre Grande-Pologne, etc. Niveau église, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai pas 5. On va construire une cinquième église. Parce que c'est partie de la mission construction. Qui demande 5 églises et 5 ateliers. Donc autant faire une nouvelle église qui nous rapportera encore un peu d'argent. Ah, on gagne de la corruption. Corruption, waouh. Et l'armée, on va la mettre au minimum. On
On attend d'avoir converti la première... Ah, regardez. Ah non, c'est la réforme ici. Foyer de réforme chez nous, mais je ne veux pas de foyer de réforme. Non, ne convertissez pas cette province. Je veux pas la réforme, c'est nul, ça pue. Regardez-moi ça être converti à la réforme. Alors que moi je suis pro-protestant. C'est comme protestant, mais en plus. C'est où? C'est à Rupin? 7 mois, je vais... Ah, je ne peux pas parce que c'est déjà en cours. Déjà quelque chose, bon, on va envoyer à Stenberg. Par contre, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.